Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a qu'il faut que tu te lèves pour acheter Paris Matin. Et puis lire les petites annonces. Et puis trouver du boulot, mon petit. Et puis tâche de trouver quelque chose de bien qu'on puisse installer dans nos meubles. Oh là là, c'est dur la vie. Tu m'aimes, ma poulette? Tiens, pour ton déjeuner. Bonsoir, ma poulette. Gamin, va. Heureusement que depuis hier, je me suis fait des relations dans cet hôtel. Vous avez le bonjour de Dillon, petite madame. Il est parti, Carcassonne? Non. Il est sous le lit. Ah, nom de Dieu. Mais non, je plaisante. Faut pas me faire des blagues. J'ai le cœur fragile. J'ai une demi-heure avant d'aller prendre mon boulot dans mon bar. Dis donc. Comme hier. Hein? On se la paie. L'extase minute. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Mais ouvre! C'est moi! Ma poulette! Faut-tu t'enfermes quand je suis pas là? Mais ouvre! C'est moi! Ouvre! Tu as peur quand je suis pas là? Marie! Ah ben entre! Tu t'enfermes, mon portefeuille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh! C'est une chemise de nuit. Mais où l'as-tu pris? Eh ben, je l'ai acheté. Mais pourquoi? Eh ben, parce que j'ai un autre homme dans ma vie. Oh, c'est pas possible. Eh si, c'est possible. Il est même caché dans l'armoire. Oh. Ouvre l'armoire. Tiens, conduis-toi comme un homme. Je te donne ta dernière chance, mon petit. Ne te conduis plus comme un gamin. Ouvre-moi la porte de cette armoire. Ouvre l'armoire et casse-lui la figure. Tu entends? Casse-lui la figure! Oh, bah toi alors pour inventer des trucs. Bah, tu m'embêtes, moi je suis venu chercher mon portefeuille, c'est tout. Tu n'es qu'un lâche, un minable, un sale petit gosse vicieux, un provincial. Tiens, retourne chez ta bonne femme, je t'ai assez vu. Oh, c'est comme ça, eh ben je pars, je retourne à Carcassonne. Bah, bon vent. Et puis plus vite que ça. Au revoir, Marie. Adieu, gamin.